Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Faux de l'Info, le vrai journal des fausses actualités ou le faux journal des vraies actualités. C'est à vous de juger. Je m'appelle Juste Rémy et c'est juste mon prénom. Vous avez compris la ref, elle n'est pas de moi. Vous pouvez donc m'appeler Rémy ou Gad Elmaleh. Aujourd'hui, alors que l'année 2023 se referme, retour en arrière sur les principales actualités qui ont marqué ces dernières semaines et ces derniers mois. N'en pas douter, certaines vont rentrer dans les annales. Mais reste à savoir de qui. Justice, pour commencer ce journal avec ce volet. C'est officiel, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été jugé par la Cour de justice de la République en novembre dernier. Il était arrivé sur place détendu. D'après les témoins, il est reparti relaxé. La Cour a reconnu les faits de conflit d'intérêts qui lui étaient reprochés. Mais elle a estimé, je cite, qu'il ne le savait pas. Le contexte était extrêmement tendu. Le jour du jugement, quelques hurluberlus d'extrême droite, des réactionnaires, des complotistes, des connards, ont manifesté leur mécontentement à l'annonce de ce jugement, prétextant que nul n'est censé ignorer la loi. Si vis pacem, j'ai arrêté le latin en cinquième. Ces affreux pro-Poutine ont immédiatement été matraqués et jugés pour apologie de terrorisme sur la voie publique, dégradation de l'honneur ministériel et terrorisme non violent en bande peu organisée. Toi-même, tu sais. Le parquet a requis contre eux l'album de Maître Gims. Ce procès très médiatique a bien sûr suscité bon nombre de réactions, notamment celle du couple Balkany, qui a déclaré au magazine Détention et Bien-être « Le bâtard, bien joué Riton, là, tu nous as battus, on se retrouve au Ritz. » Fin de citation. Ouais, ah, oui, Patrick, oui, non, mais ah, dans la boîte à clé, voilà. Non, 10 grammes, oui, quoi ? Place Vendôme ? Oui. Riton, tu déconnes. Ah ouais, c'est pas vrai. Ouais. Non mais je te raccroche au museau parce que je suis en direct en fait, voilà. Puis c'est toujours trop long, Patrick. Ta femme... Enfin bon, non mais laisse-moi... Voilà, breaking news. On apprend à l'instant que le ministre de la Justice vient d'être pris en flagrant délit de braquage d'une célèbre bijouterie, Place Vendôme. Mon envoyé sur place vient de me témoigner que le butin s'élèverait à près de 3 millions d'euros, soit un testicule de Kylian Mbappé. Les policiers sur place viennent de le relâcher. Le ministre aurait déclaré « Oups !» d'après l'AFP. À ce titre, il recevra la Légion d'honneur ce week-end des mains de Philippe Croizon. Enfin, à toutes fins utiles, nous rappelons à nos téléspectateurs qu'Éric Dupond-Moretti est actuellement en couple avec Isabelle Boulay. Tabernacle, comme on dit au pays de Poutine. Pas celui que vous croyez. Comme quoi, il a réussi à ne pas l'avoir au pied, mais il l'avait déjà dans son lit. Politique sans transition ouvrons désormais ce volet de notre journal du côté de la France. Ces dernières semaines, Gérald Darmanin était toujours aux prises, non pas avec son affaire de chantage sexuel, mais avec son projet de loi immigration. Il y a quand même du chantage sur la table. Gauche et droite se disputent autour de la légalisation des travailleurs sans papier. D'ailleurs, on pourrait souligner le geste pour la planète. Greta Thunberg. D'un côté, la gauche veut préserver l'humanisme des SDM. Des travailleurs, en leur donnant des papiers. De l'autre côté, la droite, représentée par Éric Ciotti, qui reviendra dans Austin Powers 6, dans le rôle de Docteur d'Enfer. Même objectif pour eux, mais pour assurer la pression à la baisse des salaires. Au beau milieu de ce débat, le MEDEF, premier syndicat des patrons de France, s'est exprimé sur Snapchat, je cite, « Haha, trop facile ». Plus largement, c'est une belle année politique qui se referme en France, inflation, paupérisation, violence, racisme, recul des libertés, album intégral de Zaz. Face à ce constat, bien sûr, tous les regards sont déjà tournés vers 2027. La priorité des priorités. Darmanin, Édouard Philippe, Clément Beaune, etc., les cadors du gouvernement se mesurent actuellement en vue des prochaines présidentielles. Du retard reste à rattraper pour eux. D'après le dernier sondage IFOP pour Pif Gadget et Equidia, c'est une bibliothèque IKEA. Où est-ce qu'il a écrit ça, ce con de stagiaire ? Voilà, brun noir, IKEA brun noir. Nous sommes en 2023, le progrès, je reformule toutes mes excuses, c'est une bibliothèque Billy
blanc contrarié, qui serait la mieux classée pour l'instant aux yeux des Français pour gagner les présidentielles. Elisabeth Borne aurait déclaré dans la foulée que, au pire, elle ferait passer ça en 49-3. À capter l'escroquerie. Du côté des États-Unis, les élections de 2024 se rapprochent à grands pas, également dans le pays de Britney Spears. Baby one more time, j'en ai serré de la morue. Cependant, nous sommes toujours sans nouvelles de Joe Biden. Ce dernier aurait disparu au beau milieu de la nuit, alors qu'il partait à la recherche de sa licorne BMW. L'un de ses gardes du corps, le dernier à l'avoir vu, a déclaré il y a quelques heures à nos confrères de CNN « Tout allait bien ». Rien d'anormal, il serrait la main à un fantôme, puis il a disparu. And then he disappeared. Je fais du Duolingo. Affaire à suivre. Économie tout de suite avec un chiffre qui vient de tomber. 19. Bruno Le Maire, pour sa part, s'est félicité du ralentissement de l'inflation. Certes, ça augmente, mais... moins vite, un triomphe rassurant pour le ministre de l'Économie. Il faut dire que d'après l'INPB, l'Institut national de la prédiction en bois, Bruno Le Maire avait 98% de chances d'avoir raison dans la mesure où il avait annoncé tous les scénarios économiques envisageables ces derniers mois, l'équivalent d'un puceau dans une boîte à partouze. L'auteur de Fugue américaine, American Little Gregory, a ainsi déclaré dans la foulée au bimensuel Dilatation Hebdo: je n'ai pas peur de me tromper dans mes prédictions, et même si l'inflation explose à nouveau, au moins, je ne serai plus le seul à l'avoir dans le cul. International, l'année 2023 aura été marquée par un contexte toujours plus explosif entre la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine et le début de celui entre Israël et la Palestine. Je vous prie de m'excuser, j'ai la gorge sèche, j'étais hier à un spectacle de Pierre Palmade. S'il vous plaît, le stagiaire au prompteur, on me remonte ça. C'est sérieux, c'est du boulot, là, oh on, c'est américain. D'ailleurs, du côté de la Russie, justement, l'enquête concernant l'explosion, j'en perds Momo, d'ailleurs, un pote qui est avec nous en boîte, plus de nouvelles. L'explosion du gazoduc Nord Stream 2 bat son plein, on le sait. Ce gazoduc permettant à la Russie d'alimenter l'Europe en gaz s'était attiré les foudres des USA. Dès l'annonce de sa construction, les Américains y voyant une menace claire sur le marché de l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Une menace estimée à plusieurs milliards de dollars chaque année. Pour autant, et d'après de nombreux médias internationaux, l'explosion du gazoduc n'a rien à voir avec les USA. La dernière version en date accréditerait un plongeon en mer Baltique de Gérard Larcher, « A Plungeon from Moby Dick », qui aurait causé l'explosion de l'infrastructure. Nouveau volet sport qu'on inaugure dans cette émission. Et pour l'occasion, j'ai ramené mon porte-clés en forme de vélo. Ah, Tour de France, allez, Virenque. Non, pas la promenade des Anglais. Ce sont aussi les JO de Paris 2024 qui se rapprochent, encore quelques mois à patienter pour les supporters du monde entier. Bien sûr, les polémiques se multiplient à l'approche des Jeux, notamment autour de la présence de rats à Paris. Et force est de constater que, d'après notre envoyé spécial sur place, ce problème se fait de plus en plus menaçant. Nous envoyons d'ailleurs toutes nos condoléances à son entourage. Le débat politique fait également rage en France et tout le monde se renvoie la balle pour savoir si les transports pourront être assurés dans la capitale française, si les hébergements seront assez nombreux au-delà du fiac de Laurence Boccolini pour loger tout le monde et si la cérémonie d'ouverture pourra être organisée, comme prévu, avec des barges sur la Seine, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Clément Beaune, Anne Hidalgo. Et en parlant d'Anne Hidalgo, elle a encore défrayé la chronique ces derniers jours après son déplacement du côté de Tahiti pour, je cite, « vérifier les installations des épreuves de surf ». Cette dernière s'est envolée du côté des Bahamas pour rencontrer Diego. 23 ans, danseur de Zumba, la maire de Paris aurait déclaré à son équipe savamment membrée tel Diego. Ce voyage se fait dans le cadre de la découverte d'une pratique qui pourrait rentrer dans les JO de Paris 2145. Fin de citation. Et maintenant, la page People de nos vedettes qu'on aime tant. J'en cogne ma tasse. Non, mais c'est le JT, mais genre, il se passe des trucs improbables. Tu vois, regarde. Ça, c'est les aléas. Hey, on n'est pas en direct. L'animateur, ta gueule, t'es con. L'animateur de télévision Sébastien Coé était convoqué le 10 décembre dernier devant
la cinquième chambre du tribunal de BFM TV. Et ça, c'est pas cocasse. Le procureur de la République, Benjamin Duhamel, l'a questionné pendant près de 20 minutes sur les accusations de viol qui pèsent contre lui. Sébastien Coé a tenté de se défendre en disant « Non, ça n'est pas ma méthode », expliquant qu'il était plutôt en morceaux. Dévasté. En réaction, Jean-Marc Morandini aurait déclaré sur Mineur FM, la radio qui abuse, « Franchement, ça ne se fait pas. Chers spectateurs, c'est la fin de votre premier numéro du Faux de l'Info. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Personnellement, j'ai actuellement une demi-molle. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour une nouvelle émission. On n'a pas la date. C'est ça de bosser avec des intermittents. En attendant, n'oubliez pas, le vrai n'est qu'un moment du faux. »